Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin. Et donc on reste ici sur cette note plutôt baissière, même si d'un point de vue court terme, très court terme ici, on a une stabilisation sur la paire de devises euro-dollar. Puisque depuis le début du mois, eh bien, on reste ici sous cette zone des 1.1252. Aujourd'hui encore, nous avons eu un test de cette zone, mais celle-ci est restée infranchie. Et donc on reste dans une évolution ici qui se fait entre cette résistance horizontale et une zone intermédiaire que l'on peut quantifier ici à 1.1190. Sur l'or, depuis là aussi le franchissement des 1298,50 dollars l'once, nous sommes plus ou moins dans une phase de stabilisation. Alors cette semaine, nous avons quand même eu ici l'inscription de ce nouveau point bas significatif, donc toujours sous cette résistance horizontale. Mais ce que nous pouvons voir ici aussi, c'est que les bandes de Bollinger se sont fortement resserrées et que nous avons ici une zone de squeeze qui est en train de se développer, donc quasi totalement horizontale, à prédominance légèrement baissée, puisque nous avons plus de contact ici sur la partie inférieure des bandes de Bollinger que sur la partie supérieure, mais dans une espèce de mouvement ici de neutralisation qui se fait entre grossièrement cette zone ici des 1285 et des 1295 dollars l'once. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de stabilisation, mais le fond de tendance reste plutôt baissier, notamment depuis ici la rupture des 1298,50. attention, une rupture du point bas dont je vous parlais tout à l'heure ici, qui se situe à 1281 dollars l'once, qui était aussi le point bas que nous avions constaté ici au début du mois d'avril, et bien une cassure de ce niveau pourrait accélérer le mouvement baissier vers l'objectif qui reste un possible retour ici sur la zone des 1264 dollars l'once. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention hier sur la poursuite du mouvement haussier qui était venu toucher ici l'objectif des 62,66 dollars le baril. On avait constaté ici un reflux vers les moyennes mobiles exponentielles. On avait un deuxième test ici de la zone des 62,66. Contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt agi ici comme zone de support. Et enfin, on franchit cette zone. Donc on voit bien ici que cette zone horizontale qui était tracée depuis assez longtemps était réellement significative. Et donc on poursuit ici sur une dynamique qui reste orientée à la hausse depuis la rupture, je le rappelle, des 57,80 dans la continuité de la dynamique plus ou moins moyen terme. Et l'objectif ici de cette dynamique est de rallier désormais la zone majeure des 64,30 dollars le baril. Tant que la zone ici de point bas qui a été marquée sur cette phase de consolidation, qui se situe à 61,90 dollars le baril, n'est pas refranchie à la baisse. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien nous avons eu une impulsion ici haussière, le 2, qui a validé ici un retour à un mouvement dynamique à la hausse. On a marqué un nouveau point haut significatif au-delà des 5000 dollars avant de revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme support, et il semblerait que l'on persiste à se maintenir au-delà ici des 4980 dollars pour un Bitcoin. Alors par rapport à la forte hausse ici de la volatilité en début de semaine, la volatilité s'est bien réduite. On voit ici les bandes de Bollinger qui se resserrent assez fortement. Malgré tout, par rapport ici à la phase de hausse, on n'a que très peu de consolidation, puisque si on prend ici la dynamique par rapport justement à ce niveau de départ, eh bien nous sommes sur un retracement, on le voit, qui se fait sur la zone des 38,2 mais qui n'est pas venu chercher ici la zone des 50%. Donc on reste dans une dynamique plutôt haussière qui s'est appuyée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et par rapport donc à la poursuite de ce mouvement, eh bien nous avons un nouvel objectif haussier qui se situe sur un possible retour sur la zone des 5800 dollars.
tant que la zone ici de la phase de consolidation des 4 800 $, 4 790 même, eh bien tant que cette zone n'est pas refranchie à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.